Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que Fifi va pas me faire tomber tout. Elle est déjà au taquet. Alors, je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui. Mini unboxing Amazon, c'est-à-dire livre de coloriage. J'en ai commandé un, pas deux, mais un. Vous avez déjà vu un livre de cet illustrateur, voilà, puisque c'est un homme. C'est Kevin Theo Art. Il a ressorti un deuxième livre, voilà. Donc le premier, c'était, j'ai oublié le nom, voilà, ça y est, ça commence. Mais je vous remets le nom et je vous remettrai en incrustation l'image du livre. Donc, c'est toujours un peu sur les dessins, un peu manga. Oui, c'est un peu manga. Et à part qu'il y a un petit peu plus de dessins. Quoi? Bon, elle veut venir. Vous voulez bien qu'elle vienne? c'est des mangas. Et il y a des dessins un peu plus stylés, je trouve, cette fois-ci, que j'aime beaucoup. Et il y a des hommes dedans. Donc ça, les dessins d'hommes, j'en ai jamais fait. Mais bon, ce sera une première pour moi. Pourquoi pas? Donc, je vous montre le livre. Le voilà. Alors, pour une fois, je vous le montre à l'endroit. Donc, c'est le Mysterious Face, donc de Kevin Theo Art. Donc, c'est le deuxième... Bon, fille, bouge. C'est son deuxième livre. Il y a dedans 20 illustrations, plus des bonus. Voilà. Donc, les bonus sont toujours... C'est toujours sympa d'avoir des bonus dans un bouquin de colo. Et là, ils sont très jolis. Donc, ils sont faits aussi en collaboration pour le colo avec... alors, elle s'appelle... Je vais... Excuse-moi. Les colocas de Sab, voilà, c'est sa chaîne vidéo qui fait le coloriage avant que le livre sorte pour nous donner une idée comme du résultat, qu'est-ce que ça peut donner quand ils sont coloriés, et ça peut donner une idée pour celles qui ont un peu moins d'inspiration pour faire le coloriage. Donc, moi, je trouve ces colos à Sab très jolis. Voilà. Bon, je ne vais pas refaire comme elle, puisque moi, je vais faire à ma manière. Hein. Mais ça donne une idée de ce que l'on peut faire. Voilà. Donc, les siens sont derrière. Alors, Donc, là, c'est du Grayscal. Donc, pour celles qui n'ont pas l'habitude... bon, c'est peut-être la façon, la première fois peut-être pour vous d'essayer du Grayscal. Mais moi, j'ai l'habitude et je trouve que le Grayscal, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. C'est une façon de plus facile de mettre des ombrages quand vous n'avez pas l'habitude. Voilà, je vais vous en montrer un. Bon, après, je vais vous montrer tous les dessins. Alors, je vais vous en montrer un. Voilà, par exemple, celui-ci. Vous voyez quand même là où il faut mettre les ombrages. Ici, aux joues, autour du visage, autour du cou, par exemple. Voilà. Vous savez où vous devrez plus ombrer votre coloriage. Donc, quand vous n'avez pas l'habitude de faire des ombrages, que vous faites plutôt un dessin plat, un coloriage plat, ça peut vous apprendre à faire des nuances sur votre dessin et tout. Voilà. Donc,
Celui-là, bon, c'est un livre qui est imprimé chez Amazon, donc c'est du papier Amazon, mais donc vous allez faire surtout en crayon de couleur. Papier Amazon, il n'est pas terrible pour l'aquarelle et pas terrible pour le feutre. Mais là, de toute façon, vous avez un dessin par page. Voilà, je vous montre. Vous voyez, vous avez un dessin par page. Alors, si vraiment vous voulez le refaire en aquarelle, par exemple, ou au feutre, pourquoi pas ne réimprimer sur un bon papier le dessin et après le faire avec toutes les couleurs que vous voulez, la peinture, l'aquarelle, le feutre, votre alcool, faire ce que vous voulez. Mais dans ce cas-là, réimprimer le dessin sur un bon papier. Voilà. Et un petit conseil quand même. Quand vous coloriez sur ce genre de livre, moi je mets toujours derrière une feuille cartonnée. Voilà. Hop, je mets quand même toujours derrière une feuille cartonnée derrière mon coloriage. Parce qu'on va peut-être des fois appuyer un peu plus, un peu moins. Et ça empêchera de quand même d'abîmer le dessin qui est en dessous. Voilà. Ça ne va pas l'abîmer énormément, mais j'ai déjà remarqué quelquefois que le dessin qui est là se réimprime un peu ici. Voilà. Donc moi, je mets une feuille cartonnée, comme ça, il n'y a pas de souci, et mon dessin est nickel. Donc vous pourrez remarquer chez les dessins, enfin dans les livres de Kevin, que vous avez toujours en bas, donc il y a le nom du livre, son nom à lui, Kevin Théoart, et il donne un nom à tous ses dessins. Comme là, c'est Deva, et puis les pages sont numérotées. Donc là, il y a Deva, il y a Liv, il y a Malone. Donc là, ce sera un homme, vous voyez. Il y a Kali. Ce sont tous des prénoms. Il donne tous des prénoms à chacun des dessins. Donc ça, je trouve ça vraiment rigolo. Enfin, je trouve ça marrant et bien. Donc là, par exemple, c'est Vicky. Voilà. Si je vous mets là, vous le verrez pas. Donc je me remets là. Donc il donne un prénom à chacun de ses dessins. Là, vous avez Jonah, Natacha, Yuma, Cocoon. J'aime bien le co Cocoon. Il est tout mignon. C'est un petit garçon avec son petit renard. Moi, je pense que c'est un petit renard. J'adore ce petit dessin. Voilà. Donc, je vais vous remettre en barre d'infos le lien pour pouvoir retrouver ce livre. Hein, donc, vous le retrouverez sur Amazon. Kevin a également une boutique. Alors, il a aussi une page sur Instagram, il a une page sur Facebook. Et vous pouvez également retrouver ses dessins à l'unité sur Etsy. Et donc sur Etsy, vous avez d'autres dessins également que vous pouvez acheter à l'unité. Et quand vous les avez achetés, vous les téléchargez et là, vous les imprimez de chez vous. Donc là, vous pouvez les imprimer sur un bon papier. Moi, je prends souvent du papier Clairefontaine. Enfin, je prends souvent. Je prends toujours le papier Clairefontaine pour imprimer mes colos. Je vous mettrai également le lien si jamais ça vous intéresse. Et donc, je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy pour que vous puissiez découvrir tous ses autres dessins. J'adore son univers. Il y a aussi un peu certains dessins qui font un mélange de manga et de steampunk. Alors ça, j'adore. Parce que j'adore le steampunk. J'aime beaucoup le manga. Et le mélange des deux fait vraiment est superbe. Voilà. Donc, allez, je vous invite à aller découvrir son univers donc sur Etsy. Je vous invite à aller voir son livre donc sur Amazon. Et maintenant, je vous invite à découvrir tous les coloriages qu'il y a dans son livre. Alors, ne partez pas tout de suite. Maintenant, vous allez découvrir ce qu'il y a dans son livre. Et en attendant, moi, je vous fais
plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bon visionnage pour la suite, ne partez pas tout de suite. À bientôt, bisous bisous.